La méditation est la loi de l'attraction. Pourquoi est-il si important de prendre le temps de méditer tous les jours? 2% de la population, celle qui excelle, celle qui réussit, celle qui est fortunée dans tous les sens du terme, prend le temps de méditer au moins 20 minutes par jour. N'est-ce pas un exemple que nous devrions tous suivre dans ce cas-là? Pourquoi est-ce important de méditer? Eh bien, il y a beaucoup de raisons. La première, juste au niveau du cerveau, donc de votre capacité de réfléchir, de votre capacité de trouver les bonnes solutions, eh bien, lorsque vous êtes en silence complet, c'est un peu comme si vous éteigniez tous les fichiers de votre ordinateur et que vous laissiez le gros programme qui prend de l'espace, qui prend de la place, eh bien, lui de fonctionner. Alors, si vous prenez le cerveau comme un ordinateur de taille super et immense, eh bien, comme vous le savez, tout ordinateur va vous dire à un moment donné de fermer des fichiers pour pouvoir travailler convenablement. Alors, si on veut le voir d'un point de vue mécanique, la méditation vous permet de faire ça. Donc, elle vous permet d'éteindre tous les fichiers qui prennent la place dans votre cerveau pour laisser le gros mécanisme du cerveau travailler tranquillement dans le silence. Et c'est comme ça que vous allez avoir des bonnes idées, des idées créatrices de solutions, des idées qui vont vous aider à faire des sauts quantum vers le succès. C'est la première raison. La deuxième raison, un point de vue de calme, tout simplement, ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de vous calmer, ça vous permet en fait d'être en paix pendant quelques minutes et de vous reposer ou de reposer votre âme si vous voulez être spirituel. La troisième raison, eh bien, c'est tout simplement parce que si vous êtes capable de méditer, vous allez être aussi capable de ralentir vos pensées. Alors, ne serait-ce pas super de pouvoir justement ralentir ses pensées et d'arrêter d'avoir plein, plein, plein de pensées qu'on ne peut pas contrôler. Comme vous le savez, toute pensée est énergie, aucune énergie se perd et donc toute pensée se transformera en réalité à un moment ou à un autre. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais pour bien saisir, donc, la méditation va vous permettre de ralentir vos pensées et donc de pouvoir les contrôler, savoir quelle pensée vous sert et quelle pensée est négative, quelle pensée ne vous sert pas. Donc c'est important quand même. La dernière raison que j'ai trouvée à la méditation qui aide énormément, eh bien, c'est tout simplement un point de vue de travail de concentration. La méditation, en effet, est un exercice de concentration donc très exigeant. C'est sûr que c'est difficile à faire au début, mais c'est comme de se bâtir des abdominaux. Vous bâtissez les abdominaux du cerveau. Donc vous bâtissez ce muscle, vous le travaillez et vous devenez de plus en plus fort dans la concentration. Ce qui veut dire que votre concentration après tout au long de la journée va être amplifiée. Ça, c'est fantastique parce que ça va vous permettre de faire beaucoup moins d'erreurs, d'être beaucoup plus concentré dans les tâches que vous avez à faire et donc de les faire plus rapidement, plus efficacement et donc de perdre beaucoup moins de temps dans ce que vous faites. C'est comme ça que j'arrive, moi, à accomplir beaucoup plus dans ma journée et donc avoir beaucoup plus de temps libre qui me permet en retour de méditer davantage et ainsi un cercle positif qui s'enclenche et qui amène de plus en plus de succès dans la vie. Le lâcher prise qui est tellement important dans la loi de l'attraction, vous pouvez l'obtenir grâce à la méditation. Alors voilà, énormément de raisons pour lesquelles vous devriez vous aussi méditer. Et si vous voulez apprendre comment, eh bien rendez-vous sur Attractitude et suivez un des cours offerts qui est un cours donc sur la loi de l'attraction. La méthode donc complète qui vous donne aussi une session de méditation, vous explique comment faire. Et bien également, vous allez avoir d'autres cours sur Attractitude qui vous permettent de vous attirer le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Alors je vous le souhaite ça, le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de gaieté, de joie. Et bien sûr, le bonheur, ça se trouve à l'intérieur de soi et on le retrouve souvent grâce à la méditation. Merci beaucoup. Au revoir.